Lyon, c'est compliqué ce soir. Bon, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Est-ce que prêt? Allez. On a ça. Et. Oh, bah c'est bon, on va y aller. Allez. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 7 juin, 21h02. Donc, comme quoi, je suis pas si en retard que ça va. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Que vous allez bien. Que vous êtes prêts à voter dimanche. Je sais pas pourquoi, tellement c'est catastrophe. En tout cas, les choix qu'on a en France, c'est vraiment pas ça. Mais bon. Du coup, ce soir, je me suis dit que ce serait pas forcément débile de passer un peu de temps à tenter de débug, enfin débug, de vous faire l'installation, de vous montrer ma future installation de lecteur multimédia qui actuellement se base sur un Raspi 3, le même que celui, enfin le même modèle que celui qu'on a utilisé pour Home Assistant il y a 2 semaines, non déjà? Ça passe tellement vite. Et qui me sert depuis fin 2016, début 2017 peut-être. Donc ça commence à dater beaucoup. Pour lire tous les fichiers qui sont stockés sur mon NAS. Et on est en 2024. Depuis 2016, j'ai une télé 4K qui m'a jamais servi en 4K. Qui a commencé à servir en 4K fin d'année dernière quand je me suis fait Horizon Forbidden West sur PS5. C'est la première fois que ma télé servait en 4K. Autant dire que c'est pas la folie. Du coup, et pour tous les films, jusqu'à maintenant, j'ai fait que du H264 en Full HD parce que c'est le maximum que sait faire le Raspi 3. J'ai failli utiliser un Raspi 4 pour pouvoir faire du 4K en H265. Malheureusement, je m'y suis tellement bien pris que le Raspi 4 est mort au bout de 2 heures. Physiquement, hein, j'ai fait une connerie. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est un Raspi 4 que j'avais acheté pour le cluster Kubernetes. Au final, bon, j'ai acheté 3 Raspi, mais j'en avais besoin de 2 et encore, en termes de puissance, pour l'instant, j'utilise pas tant que ça. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais récupérer un des 3 qui me sert à rien, et puis je vais le recycler. Sauf que bah, j'avais collé des radiateurs dessus, sur les puces, pour pas qu'ils chauffent trop. Et en décollant ces radiateurs, j'y suis allé un petit peu fort physiquement, ce qui fait qu'en fait, j'ai fragilisé les soudures, notamment sur la puce principale, hein, qui est quand même voilà, le plus important et le moins réparable des morceaux. Et du coup, en fait, il détectait plus la mémoire une fois que au bout de 2 heures après l'avoir utilisé en Media Center, il a vautré et j'ai jamais réussi à le rattraper. Il est toujours à côté de la télé, je l'ai pas jeté, il paraît qu'on peut tenter des trucs à base de four, à base de. Voilà. Je sais pas dans quelle mesure ça pourrait marcher, j'ai pas tenté le coup. J'avoue que, sachant qu'il y a des morceaux qui sont un peu en plastique, balancer un truc dans un four à 250 degrés comme ça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des plans. Mais peut-être. Je sais pas, après tout, enfin, si le truc est en train de mourir, on peut tenter, hein, qui ne tentait rien. Voilà. Mais bon, ça me permettrait de récupérer un Raspi 4. Mais entre-temps, on a enfin du matériel qui sait décoder de la V1, ce que ne sait toujours pas faire le Raspi, même le Raspi 5, hein, il sait à peine le lire, et encore, je suis pas sûr que ce soit fluide. Parce que, en fait, il faut du matériel dédié pour ça. C'est juste pas possible autrement. Les algorithmes sont tellement complexes que ça tient pas. Et du coup, j'ai réussi. Alors pour le coup, c'est pour ceux qui le suivent sur Twitter. Alors comment il s'est nommé sur Twitter, le Gaïa? On va y arriver. Alors, en ce moment, il a juste X dans son nom. Est-ce que son profil est grand ouvert? Non, son profil est verrouillé. Bon, bah, ça sert à rien que je vous le montre. Il est en privé, mais voilà. Une connaissance à moi. Une connaissance sur.
pas que sur Twitter d'ailleurs, parce qu'on a déjà été boire un coup ensemble ou deux, et à qui j'ai racheté ceci. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est pas loin en termes de format du mini PC qui est utilisé pour Proxmox, mais celui-là, il a un Intel N100. Donc Intel N100, c'est un des derniers processeurs basse consommation qu'a produit Intel. Or, qui est censé être pour de l'entrée de gamme, mais vu les tarifs qu'ils pratiquent, je sais pas comment ils pensent à ça. Mais celui-là, j'ai quand même réussi, du coup, alors neuf, il doit valoir un truc entre 100 et 150, et entre 200 et 250 euros, je l'ai eu à 150. Et donc la puce N100, c'est quoi? C'est un quadruple cœur 6 watts. Vraiment, ça demande pas grand chose à évacuer. Il y a quand même un ventilo dessus, hein, c'est pas complètement passif. Il y a des modèles avec du N100 qui sont en passif ou le boîtier, parce que là c'est full plastique hein, le boîtier. Il y en a où le boîtier est genre un boîtier ou complètement en métal, histoire de dissiper toute la chaleur. Mais bon, moi, c'était pas si grave que ça. Et du coup, le AV1, il fait décodage matériel du... Enfin, et le N100 fait le décodage matériel du AV1. Et donc, j'avais envie de passer ça... De passer ça sous le salon. Enfin, sous la télé. Sauf que, comment dire... C'est quand c'est... dimanche soir, ouais, dimanche après-midi, j'ai voulu installer LibreLec dessus et j'ai eu quelques difficultés. A priori, il y a moyen de les surmonter et du coup, je voulais qu'on voit ça ensemble ce soir. Au pire, il y a une alternative qu'on m'a suggérée sur Twitter qui était Recalbox qui embarque Kodi. Recalbox, à la base, c'est une distribution pour le rétro gaming. Et il y a plus que la puissance pour aller, je crois, jusqu'à la Nintendo 64 ou pas loin. Vraiment. De toute façon, je ferai pas de rétro gaming dessus, mais si, contrairement à LibreLec, j'arrive à installer Recalbox, pourquoi pas. Mais on va déjà tenter LibreLec, parce que LibreLec, il a sa propre philosophie. C'est ultra léger, où il n'y a que Kodi dessus. Vraiment. Et c'est fait pour être branché à une télé et faire Media Center... Et j'ai pas besoin de beaucoup de plugins en plus pour l'instant, voire même pas du tout. Il y a juste un truc qu'on aura peut-être pas le temps de voir ce soir, mais j'aimerais en fait faire en sorte de... Parce que comme toutes les applications de lecture multimédia avec bibliothèque, etc., Kodi enregistre les fichiers que vous avez regardés. Ça vous permet de savoir ce que vous n'avez pas encore vu dans une bibliothèque, etc. Le problème, c'est que bah, du coup, j'aimerais récupérer la base qui est dans le Raspi pour pouvoir l'injecter là-dedans. Mais c'est pas les mêmes versions. Je sais pas comment ça va se passer. Donc on verra peut-être pas ça ce soir. Je vais le brancher là sous l'écran avec la capture sur la carte de capture HDMI. Bonne nouvelle pour ceux qui ont. Pour ceux où là encore pendant le live Home Assistant. On avait un peu pleuré du sang sur la capture HDMI. En fait, j'ai compris qu'on pouvait régler dans VLC les paramétrages de sortie. Et donc là, on va avoir une vraie sortie vidéo. On va pas se faire mal à essayer de choper un truc qui marche. Ça va marcher d'emblée. Enfin, on le verra visuellement bien dès le départ. Je vais le brancher, de toute façon, normalement, j'ai pas besoin de le démonter. Ce qui va se passer, par contre, c'est que... En fait, j'ai pas compris, c'est soit on le démarre sur une clé USB pour l'installer sur le PC, a priori, c'est comme ça que ça marche. Et dans ce cas-là, en fait, on va commencer par réinitialiser le SSD. Donc pour ça, j'ai ma clé USB Ventoy, sur laquelle j'ai plusieurs ISO. On va en prendre un pour démarrer en live dessus. En périphérique d'entrée, il est où le dongle? Oui, voilà, alors. Hop. Le dongle, le clavier, que je vous ai déjà présenté, hein,
Vénérable Logitech K400+. Alors, c'est... Oui, c'est écrit comme ça. Tada ! Qui est donc un clavier court, c'est-à-dire il n'y a pas de pavé numérique, mais avec un touchpad à côté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comme ça, on peut avoir la clavier... On a le clavier souris sur le même paftar. Et du coup, je vais pouvoir le contrôler comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Navigation curseur. Ok, j'ai tapé sur un truc sur... Hop, voilà. Du coup, on va se mettre sur le bureau. J'ai déjà téléchargé LibreLec. Il est déjà sur une clé USB. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'on va démarrer pour l'instant. Je vais redémarrer VLC. Il est très très grand. Pourquoi? Pas besoin. Alors, ouvrir un périphérique de capture. Le périphérique qui s'appelle USB vidéo. Le nom du périphérique audio, on n'en a pas besoin. Voilà, et là je crois que c'est là où j'avais paramétré le 16/9. Et je crois que j'ai fait ça. Et là, quand je fais ça, j'ai quoi? Propriété, contrôle de la caméra, fréquence du courant, il n'y en a pas. Ah, voilà, et c'est là. Et en fait, la taille de la sortie. Alors, fréquence d'image, on va mettre 60, on fout un peu. Espace de couleur, c'est MJPEG, je crois. Et on va mettre 1920 par 1080. Alors, oui, je sais que on veut lire de la 4K ce soir, mais on s'en fout un petit peu. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'avoir une sortie qui ressemble à quelque chose. Hop. Donc là, on a un écran noir, c'est normal. Je vérifie que j'allume le clavier. Ouh, c'est bon. Hop. Et là, on va démarrer. Et par contre, il faut que je retourne dans le BIOS parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et donc, vous voyez, ah, c'est pas dégueulasse comme la dernière fois. Alors j'avais mis quoi? Voilà, j'avais mis boot mode select legacy, mais a priori c'était pas un problème de legacy. Il a détecté l'UEFI sur l'USB, ça me va très bien. Et donc le NVMe, lui, je vais le scratcher pour qu'il soit remis à zéro et qu'on reparte sur des basses scènes. Hop. Alors, on a très très peu d'options hein. Sur le BIOS, c'est vraiment en fait on peut absolument quasiment rien retoucher. Bon, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on a la... Comment ? On a main, le security, donc évidemment le secure boot est désactivé, hein. Et on a que des options de boot, donc vous voyez, on peut rien contrôler au niveau du processeur, on peut rien contrôler au niveau de la RAM, on peut vraiment rien toucher au... Comment ? À l'installation, ce qui est pas très grave, hein, honnêtement, je m'en fous un petit peu. Alors, on va faire save changes. Hop. Je sais pas si on a un petit un menu F8 ou un truc dans le genre. Qui... Ok, bon, il a pris Ventoy, ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Alors, un vieux Windows 10. Deux ISO Virtuo, pourquoi pas. Le Proxmox, non. On a un Manjaro XFCE 23 minimal, pourquoi pas. Le Live CD Malekia, je sais plus ce qu'il fait. Une Debian Net Install, non. Le Clonezilla, on s'en fout, c'est pas ça. Donc on a le choix entre la Fedora, Fedora 40 et Manjaro XFCE. Bon, bah, pour ceux qui me connaissent, on va prendre la Manjaro. Hein. Normal Mode, Grub 2... Ouh, boot mode, normal. Ouais, voilà. Du coup. Alors, par contre. Europe. Alors, un Paris qui traîne quelque part. Oui, voilà. Oula, non, ça, par contre, t'es gentil. Hop. Le key table en FR. Pitié, la langue. Oh bah si la langue est du français, on va pas. À quoi français 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 français.
Open source driver, open source driver. Allez. Normalement, si tout va bien, il devrait démarrer. Il a l'air de démarrer. Il a même récupéré le logo du... D'accord, de le... De l'EFI. Bon. Bien. Alors, oula. Bon, avec la capture, on a une petite latence, là, un peu énervé. Ouais, ok. Alors... Ouais, c'est pas d'une... Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, ça va être... est-ce que on a un outil type Gpartite d'installer directement? Oui, parfait. Hop. Not all the space. Ouais. Alors, on va faire ignore. On va quand même regarder un peu ce qui se passe. Donc là, on a le dev SDA, ça c'est la clé USB, sur laquelle il y a les ISO, et donc le NVMe de 500 Go. Alors je sais, hein, mais il était fourni avec, et de toute façon, j'ai rien d'autre et rien de plus petit pour mettre à la place, donc voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'était... voilà, on va refaire la table de partition à vide. Parce qu'en fait, là, j'avais déjà flashé l'install de LibreElec dessus. Ce qui était un peu con. Et on va créer une table de partition GPT. Donc là, on est en... Ah, est-ce qu'il faut que je l'applique? C'est déjà appliqué là? Directement? Il n'y a même pas de... D'accord. Alors, de toute façon, c'est pas compliqué, on va le voir très vite. Hein. Faire ça. On va aller dans Terminal Emulator. Et sans être root. De faire un lsblk et lsblk, il nous dit que le NVMe 0N1 il fait 476 Go et il n'y a pas de partition dessus. Parfait, bon bah voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre pour changer de clé. Ok, putain, ça a été vite. Il est éteint. Oh, ça va rester noir quelques secondes. Hop là. Donc là, on a l'installeur LibreElec. Ok, pas de souci, parfait, c'était ce que je voulais. Et là, je vais avoir l'effet démo inversé, c'est-à-dire qu'en fait... Alors, install. C'est pas vrai. Mais je l'avais fait, ça, pourtant. Pourquoi il a pas voulu le prendre? Je comprends pas. Donc, pour info, la dernière fois que je l'ai fait, il a tenté de me proposer d'installer sur la clé USB sur laquelle j'avais démarré. Et là, il me propose... Bon, bah, c'est pas grave, vous savez quoi, hein. Après tout, le but du jeu, c'est de faire l'installation. Donc, je vais vous montrer un peu l'installation. Puis, de toute façon, on va tester après, derrière. On va essayer de copier... Ouais, ouais, vas-y. De toute façon, il n'y a rien sur le disque. Fais ce que tu veux. Hein. J'en reviens pas, punaise. Bon, ceci dit, voilà, ça m'est arrivé genre dimanche et j'y ai pas retouché de la semaine. Hein, donc, à partir du moment où je me suis... Vous pouvez maintenant supprimer le média et reboot. Ok, donc là je peux supprimer le média et reboot. Là j'ai débranché la clé, j'ai envoyé reboot.
Ok. Et ben voilà, on y est. On y est. Alors, je vais quand même le mettre en français, faut pas déconner. Ah non. Aïe aïe aïe. Ah, si je change le clavier à l'écran pour lui dire de prendre un clavier FR, il fait quoi? Je peux pas le changer. Bon, alors il faut que je fasse attention. Donc c'est. Ouais, ok. Ok, il veut pas que je le valide. D'accord. Ouais. Alors. Modifier parce que je veux lui donner une adresse IP bien particulière. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais virer la connexion automatique. Allez, tu vas y arriver. Oh, putain. Si, connexion automatique. Si, vas-y, connexion automatique. Oui, suis-je bête. Connexion automatique, c'est IPv4. IPv4, il faut que je... Voilà, c'est ça, méthode de récupération. Là, on va le faire en manuel. Hop, pitié, l'adresse IP, tu me la changes. Alors. Faut que je retape en entier, c'est ça? Non, je peux passer les chiffres. Oui. Ah oui, en fait, là, pour le coup, il le prend pas au clavier, faut que je le fasse avec le truc à l'écran. C'est très bizarre la chanson avec les trucs, les boutons comme ça. Ok, tout le reste est bon, donc ça me va. Suivant. Accès distant, le Samba est activé. Pour l'instant, c'est ce qui va m'intéresser. Quoique le SSH, on pourrait aussi le faire. Ouais, on va garder l'existant. De toute façon, c'est un mot de passe. C'est quoi? Route. Et le mot de passe libre. Allez, ok. Faut juste s'en souvenir, quoi. Nya nya nya, merci, bienvenue. Votre installation est terminée. Ok, il avait besoin d'installer. D'accord. Bon, et bah, donc apparemment, il est installé. Il est installé. Ok. Voilà, on va aller dans la section système. Parce que dans la section système, on va avoir des choses intéressante. Alors, dans le système, on a quoi? On a l'affichage. Ah, déjà, voilà, je me disais bien aussi qu'il y avait un délire avec la résolution. On va se mettre en Full HD pour l'instant. Ok. Full HD 60 FPS. Ensuite, on a quoi? L'audio. L'audio, c'est l'ALSA HDA Intel. Parfait. Alors, pour info, typiquement, moi, c'est le cas sur le Raspi, le Raspi actuel. En fait, il supporte tout à fait mon casque HyperX Cloud 2 Wireless. Et donc, en fait, je peux le brancher. Alors déjà, si vous avez un casque Bluetooth, vous pouvez passer par Pulse pour le casque Bluetooth. Et après, vous avez différents choix au niveau du son. Par défaut, il prend le HDA, Intel, machin, etc.
Généralement, ça marche. Après, enfin moi, en tout cas, sur le Raspi, j'avais pas besoin de changer. Là, dans l'immédiat, le son, je testerai moi de mon côté pour savoir lequel il faut que je mette. Ok, on est en stéréo. De toute façon, comme il n'y a que ma télé, je serai en stéréo. Le mode laisser-passer, j'en ai absolument pas besoin parce que ma télé ne sait pas faire grand-chose. Entrée à disposition du clavier physique. Pitié. Pitié, pitié. Hop. Alors. C'est pas du tout classé par si. Non. Mais c'est pas grave. On a un French. C'est ce qui m'intéresse. Accès à Internet proxy, il n'y en a pas. Mettre l'affichage en veille en cas d'inactivité. Bon, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Les extensions, j'en ai pas besoin. La journalisation, j'en ai pas besoin. Ah mais on est en standard en plus. Alors, attendez, si je passe en avancé, on a quoi? Avancé expert, je crois. Ouais. C'est ça, on a une liste blanche de rafraîchissement, on a la 3D stéréoscopique pour ce. Au niveau de l'audio, ah ouais putain, le nombre de... D'accord, ok. Mixage stéréo vers multicanal, donc ça ce sera plutôt dans l'autre sens, une fois que j'aurai du vrai son. Ça c'est une fois que je serai... Ensuite on a activé la gestion de la souris, oui. Activé le support des manettes, donc vous pouvez brancher une manette pour vous en servir comme télécommande. Voilà. Potentiellement une même si vous avez une manette Bluetooth, il y a moyen, il me semble. Type d'arrêt arrêté, oui, bon, ça j'en ai pas trop besoin pour l'instant. Ok, alors du coup si je fais échappe, on revient en arrière. Ouais. Ça va être dans le menu. Alors non, on a le menu info sur le système. Info sur le système, donc là il nous dit. Bon, 11 Go de libre. Allez. C'est un peu overkill, je suis d'accord, hein, mais voilà. On est quand même durée, ok. Là, le CPU, on voit qu'il est... ouais. D'accord. Le stockage, on voit qu'on a 400 Go de storage, d'accord. Vidéo. Vidéo, il a compris que c'était de l'Intel. On a... Oui, HDR supporté, c'est normal, parce que on est sur une capture de... Une carte de capture qui est pas foufou. Mais normalement, sur le principe, il est censé le supporter, le N100. On est sur de l'OpenGLES, d'accord. Là, on est à la vitesse de base du processeur, 700 MHz, et on est à 37 degrés, ce qui est pas mal. Vie privée, what is this? Privacy policy, oui. Okay. Alors pour ceux qui n'auraient pas l'historique, le Kodi en l'occurrence, parce que LibreLake c'est juste une distribution, le vrai logiciel, celui qu'on a sous les yeux actuellement, il s'appelle Kodi. Et Kodi, son origine, ça s'appelait XBMC pour... Accrochez-vous. Xbox Media Center. Le logiciel a 20 ans, il a été conçu à l'époque pour la première Xbox, qui n'était ni plus ni moins qu'un PC déguisé. Hein. On parlait déjà à l'époque d'un processeur Pentium 3 et d'une carte graphique Nvidia, si je dis pas de bêtises. Mise à jour automatique, parfait. Statistique, non, pitié. On va virer ça. Voilà, donc il a vécu ses premières années en tant que Xbox Media Center, donc pour transformer sa vieille Xbox en lecteur en multimédia, à une époque où on parlait pas de téléconnecté, hein, il n'en était pas question. Il y a un truc que j'ai pas pensé tout à l'heure au niveau du réseau, c'est que j'ai pas défini les serveurs DNS, j'espère qu'il va me... Quand j'ai fait ça, j'ai fait quoi? Modifier... Et du coup, en DNS, il a pris quoi? D'accord. Ah oui, c'est vrai que j'y suis allé à la One Again et j'ai branché ça comme un boulet. J'ai foutu ça direct. Les serveurs NTP, il m'en a mis des distants. Oui, parfait. Ok.
Ça, c'est bon, ça me va. Hop. Donc, le Bluetooth, si vous voulez... bon, Bluetooth, c'est désactivé, c'est normal. La carte pour faire du Bluetooth... Vous regardez la webcam, elle est là. Elle a été débranchée parce qu'elle servait pas. Mais le fait est que pour l'instant, j'ai pas prévu d'en avoir besoin, parce que comme je dis, au début, je branchais mon... Comment ? Je vais y arriver. Je branchais mon... J'ai un vieux casque Bluetooth, et maintenant, c'est le Cloud 2 Wireless qui fait le taf. Et comme le Cloud 2 Wireless, c'est un dongle dédié, j'ai pas besoin du Bluetooth. Ok, bah ma foi, on est bon. Est-ce qu'on se chercherait pas, du coup, maintenant, un contenu en AV1, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, à lire dessus. Alors, on va tester la connexion SSH, du coup. Si le service SSH est censé être démarré... alors, que je reprenne l'autre clavier. Normalement... 192.168.1.7. Ok, donc on est bien sur... Et donc là, on a Kodi en train de tourner. Ok. C'est un peu limité, mais du coup, enfin, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ça, hein. Ça va être... Est-ce que... Parce que j'imagine bien que doit pas y avoir un million de... Ok. D'accord. Je... ok. Le truc n'a pas envie de coopérer. Bon, c'est pas grave. On a vraiment que ça. On a vraiment que ça. D'accord. Bah, c'est pas grave. Hein. On va pas se formaliser. On va rester avec un top. Pendant ce temps-là, hop, on va se faire ça. Est-ce que à la Blender Foundation, on a des contenus en AV1 sur les, c'est quoi, Blender Studio? Alors ça, c'est l'histoire, parce que je sais qu'en fait il y avait un, où il y a un site dédié pour un... Ouais, mais ça, c'est les builds. Ah, Open Movie Project, voilà. Du coup, on a quoi? Putain, mais en fait, ils en sortent un par an. Il y en a plein que je connais pas, là. C'est quoi le dernier que j'ai vu, moi? Ça doit être Hero. Ah oui, donc ça fait 5 ans que j'ai pas vu, en fait, les films qui... Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que chaque année, la fondation, enfin Blender, sort une nouvelle version relativement majeure, je crois. Il me semble que c'est ça. Et du coup, en fait, pour montrer les capacités du logiciel, ils créent un court-métrage qui est réalisé en très très grande partie, limite intégralement, à partir de... Avec... Alors du coup, si on fait ça... Là, ils nous le mettent sur YouTube. On n'a pas moyen d'avoir un fichier un petit peu plus...
Si on a la contente galerie, on cherche quoi? Animation test, machin, production license. Shot production file, ça va être ça, non? Shot file, shot files, non, c'est pas ça. Ou production repository. Bon, là, pas de bol, il faut payer. Donc, non, ça va pas être ça. Bon, écoutez, hein, on va peut-être, du coup, on va peut-être se taper le. Alors, on peut regarder si. Si sur YouTube, le fichier, il est en AV1. À l'abri d'une surprise là-dessus. Hop. Alors, tac, 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 tac. AV1. AV1, ok, d'accord. Alors, j'ai l'AV1 pour les trucs de base, mais est-ce que du coup, j'ai l'AV1? Alors, j'ai l'AV1, mais en full HD. Bon, on peut peut-être commencer par ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais... J'aurais bien aimé d'avoir une version 4K ou un truc comme ça. Un gros 4K AV1 en 60 FPS, le truc le plus lourd qu'on peut loger. Bien affreux, et il m'intéresse pas mal. On peut déjà le tenter celui-là. Du coup, si on veut l'AV1, l'AV1 en Full HD, c'est 399. Ok, puis on va prendre le même... donc là, ISO MAV01, d'accord. Encodeur LAVF, vidéo AV1 main. Ok, bon, déjà c'est le bon truc. Du UF 420, parfait. En 24 fps. Bon. Du coup, pour transférer ça, on va faire un SCP. Un truc que je voudrais voir. C'est slash storage. Ok. Et une vidéo. Ouais, c'est ça. Hop, donc, du coup, on va faire un. SCP. Wingit. Root at 192.168.1.7. 2 points. Slash storage. Slash vidéo. Ça. Ok, voilà, ça c'est fait. Hop, retournons à notre LibreLec et sortons de là-dedans. Et du coup, maintenant, si je vais dans source de médias vidéo, là j'ai mon Wingit. Alors à côté, oui, c'est normal, oui, c'est vrai, putain, oui. Je vais jongler entre les claviers, ça va être quelque chose. Hop. Bon, là j'ai Cody qui est prêt, qui attend. Donc là, il a à peine augmenté de 3%, ce qui veut dire qu'il est globalement en train de lire. C'est la carte graphique qui doit être en train de faire le boulot là. Bon, là, comme on lit du NVMe, j'ai pas trop de problème avec le scan. Donc, faire les allers-retours avec le. Ok, ok, ok. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Ouais, on est à peine à 3% de plus, ce qui veut dire qu'il est en train de... Il est froid, hein. Je suis en train de vérifier, il est froid, hein. C'est quelque chose. Du coup... Ok, donc ça c'est bon. Bah tant qu'on y est, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Parce que du coup, si le Wingit il est qu'en Full HD. Alors que c'est le dernier, ça veut dire que les autres, il n'y a aucune chance que je les chope en. En 4K ou un truc comme ça, quoi. Ou alors pour le faire, ils vont me demander de. Là, si je fais ça, ça va être la même. Si je fais ça. Non, là, il me propose le 4K. Ah! Alors. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Effectivement, 3840 par 1600. 401. Ok. Et du coup, au niveau du son, c'est toujours la même merde. On est toujours limité dans les. Alors, audio only 200. Ah! Non, mais ça, c'est le M3U, je m'en fous. Ah, c'est 140. Sinon, c'est de l'Opus. Et ça rentre dans le conteneur WebM. Ok. Bah, en vrai. Alors, en vrai, il faut que je teste les deux, parce que aussi, quand j'essayais de lire des vidéos en WebM, je me tapais des délires. Je me tapais des délires. Typiquement, le Pi3, il frisait direct. Dès que j'essayais de lire un VP, un WebM, bon, généralement avec du VP9, un truc comme ça, c'était freeze. Chlac! J'avais même pas le temps de. J'appuyais sur OK. L'interface passait même pas au noir pour me mettre sur la vidéo que ça frisait. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter les deux. On va tenter. Je vais récupérer donc le fichier. Je vais prendre. On a dit que c'était 401. Et on va mettre 140 pour le son en M4A, parce que le 401, c'est pour un conteneur MP4. Et la vidéo ne fait quand même que 160 mégas. Je sais bien que c'est un court-métrage, mais on parle de vite. Parle de vidéo 4K, c'est débile. Hein. En comparaison. Oh, mais qu'un. Il est où le 137? Ouais, vous voyez, à la même résolution. L'AV1, il fait que 23 mégas, là où le H264, l'AVC1, c'est H264, fait 37 mégas. On s'amusera pas à faire un comparatif de qualité parce qu'on n'est clairement pas équipé pour, puis en plus, vous voyez ça à travers de Twitch qui recompresse tout à 6 mégabits seconde, donc voilà. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est de voir la performance, en fait, la performance de lecture. Donc là, maintenant, il m'a fait ça. Si je veux l'équivalent en WebM, du coup, donc en VP9, ça va être 313. Je sais pas ce que c'est cette musique, mais. D'accord. Truc un peu chelou au niveau du. Alors, le 140, c'est quoi? C'est du M4A. En 44 kHz, et là on aurait de l'Opus en 48K avec 251. Okay. C'est hallucinant la différence de. Enfin la différence de traitement, c'est-à-dire que bon, certes, c'est quand même particulièrement compressé, mais sur YouTube, on vous propose de la vidéo jusqu'en 4K. Par contre, cherchez pas la qualité au niveau du son. C'est incroyablement mauvais.
Alors potentiellement pour ceux qui payent YouTube Premium ou qui veulent passer par la location de vidéos, les films en location ont peut-être des pistes audio un peu plus, on va dire, dignes de ce nom. Voilà. Donc là, il a récupéré les deux. Alors, je vais virer Wingit parce que j'en ai plus besoin. Donc là, vous voyez, entre le VP9 et... Si je fais ça... Ah oui, le tiret H, oui. Comme j'ai utilisé Exar, faut que je fasse ça. Voilà, d'un côté on a 160 mégas, de l'autre côté on en a 230. Vous voyez que la V1 il fait quand même un sacré boulot de réduction. Et la plupart du temps, on voit pas la différence en termes de qualité. C'est vraiment. C'est un truc de fou. Alors. Du coup. Ouais, je me disais bien, j'ai pas AirSync, donc c'est pas la peine. Je vais pas pouvoir utiliser AirSync, donc on va faire SCP. Hein. Est-ce que le SCP avec un fichier à étoile, ça va passer? Parce que je me suis déjà fait avoir moi là-dessus. Oui, ok. Donc là, j'ai récupéré les deux. J'ai récupéré les deux. Du coup. Si je fais ça, ce échappe-là, que je reviens dessus. Donc là, j'ai VP9 opus. Là, j'ai AV1 AAC. Il m'a pris en AAC. Le 140, c'est du... Il me dit M4A, il me le considère comme de l'AAC. Alors c'est pas impossible, hein, je voudrais pas. Ok, bah si c'est de l'AAC, tant mieux. Alors du coup, putain, faut changer de clavier. Donc là, AV1 4K. C'est parti. Hop. Et qu'est-ce qu'il dit le top? Il dit qu'on va le relancer. Alors, on reste quand même sur YouTube, hein, donc faut pas paniquer si on voit encore un peu parfois du... Vous voyez là, on voit les halos de couleur, on voit les dégradés au niveau des halos de couleur. La problématique, c'est que Google optimise tellement fort la V1. Donc là, on est monté à 20%. Ah, et là, c'est tiède. Là, on a un petit poil de chaleur. Oui, donc sur des gros films, au bout de 2 heures, ça doit commencer à... Mais bon, on est quand même qu'à 18% de CPU, quoi. Donc je suis assez content de... Je suis assez content. Ok. Bon, je me garde. Merde, j'ai tapé dans le micro, désolé. Alors du coup, c'est ce clavier-là. Hop. Et si je veux lire l'Open Movie. Bon, bah, Flawless Victory, comme on dit. Oula. Ah oui, je suis allé un petit peu trop vite, pardon. Voilà. Derrière, il nous dit quoi? Non, tais-toi, toi. Raté, raté, raté. Donc on est à 1% de différence entre... Ok. Entre la V1 et le VP9. Bon, bah c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, en vrai, je... J'ai raté quelque chose, là, depuis quelques années. Faut que je fasse un rattrapage sur Blender Studio. Ok, ok. Bon, bah voilà. Ça, c'est prêt. J'aurais plus qu'à traiter, parce qu'en fait... Donc, comme je disais, si je parle de... c'est dans les paramètres. Il me semble que ça va être quoi dans... C'est pas le gestionnaire de fichiers, ça va être dans les médias. On dit importer la médiathèque, exporter la médiathèque. Donc si je fais ça sur le papier, je peux récupérer l'historique de lecture. Il me semble que c'est ça. Bon, après, j'ai pas besoin de, voilà, de beaucoup plus. Mais donc, en gros, je peux exporter la médiathèque d'un côté, l'importer de l'autre. Et du coup, je retrouverai normalement mon... Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon historique de lecture. Après, comme on n'est pas sur les mêmes versions de Kodi, je croise les doigts pour que ça marche. Si ça marche pas, bah, au pire, je refais l'installation de zéro si je flingue tout. Et voilà, quoi. Et puis, à ça près, de toute façon. Mais du coup, ok, ok. Non, client SMB, il n'y en a pas. Protocole NFS, c'est du 3. Mise en cache, oui. Service d'info météo, il n'y en a pas. Je verrai plus tard. Et les autres paramètres, je verrai quand... Puisque de toute façon, après, quand il sera branché sur la télé, je vais changer l'interface pour qu'elle soit en 4K, etc. Mais en tout cas, voilà. Tout ça, c'est pas secret, mais ça tombe bien parce que c'était ce que je voulais. C'est con parce que, vous voyez, le message, en fait, au tout début, quand on a démarré sur Manjaro et qu'on a démarré Gparted, il m'a envoyé un message. Il a envoyé un message comme quoi, sur le SSD, tout l'espace GPT n'était pas utilisé. Et en fait, ce message-là, moi, je l'ai vu dans le journal d'installation au début, quand on démarre sur la clé USB. On avait trois lignes. On avait installé, et après, on avait, affiché le log, exporter le log ou enregistrer le journal, un truc comme ça. Et dans le journal, en fait, quand on le regarde, on voit qu'il détectait bien le SSD, et il me mettait ce petit message de warning sur le fait que j'utilisais pas tout GPT. Et j'avais déjà tenté de réinitialiser le SSD, je comprenais pas pourquoi, mais en fait, il m'avait pas... Il me le proposait toujours pas à l'installation. Et là, comme par hasard, l'effet Bonaldi inversé ce soir. Ça a marché du premier coup. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Mais du coup... qu'est-ce que j'ai pas regardé? C'est quoi les débits en fait de ces fichiers-là? On va faire ça. Hop. Alors, le débit en avait un. Alors évidemment, si je ne mets pas toutes les lettres, ça ne peut pas marcher. Le débit, c'est 5 mégabits, un peu moins de. Ouais, allez, on est sur du 4,8 mégas par seconde. En 24 fps, ok. Et le même en VP9, ils nous ont fait quoi? C'est du VP9. Tac, tac, tac. Bitrate 7. Ok, il y a beaucoup plus de bitrate. D'accord. Bon, bah, ma foi... C'est... Ok. Donc après, si les fichiers ont une qualité équivalente, on voit qu'il faut quand même beaucoup plus de bitrate, même avec un code. Bon, le VP9, c'est vieux, hein, comme connect, on va pas se mentir.
Quand Google l'a fait, au mieux, il cherchait quand même à faire mieux qu'un H265, mais clairement, bon, voilà, on n'est pas arrivé au niveau où on est arrivé avec la V1. Et on est quand même sur du 7 mégabits seconde. Vous voyez, il faut 3 mégabits de plus pour avoir une qualité équivalente, a priori. Donc ouais, je sais pas. Comment tu... Je vais avoir un truc. C'est quoi? C'est W... vidéo... Image... Quality... Benchmarking, il y avait un truc comme ça. C'est quoi le score de... Je sais... C'est vidéo que j'avais mis, pas caméra. Il y a un truc, un score à la con. C'est pas Benchmarking. Encore. Comment est-ce... VMAF, voilà, c'est ça. Vidéo Multi-Method Assessment Fusion. À vos souhaits. Ça, c'est un truc qui a été sorti par Netflix. L'idée étant de d'avoir une espèce de score en fait sur votre vidéo. Comment? Et du coup, ça permet d'avoir le d'avoir un score à la fin. Je sais pas comment on peut. Alors on peut l'avoir en filtre, d'accord. Ouais, mais ça, à mon avis, c'était il y a 2 ans. Ouais, je suis pas sûr que ce... Pas sûr que ce soit actif par défaut, ce truc-là. Oula. C'est peut-être un petit peu gros quand même. Sur une paire de U-Files. Ok. Ah oui, d'accord, il met 2-i. Mais pourquoi il force le vidéo size, par contre? Ça, je n'arrive pas à comprendre le délire. Donc, il récupère une vidéo, une distortie de vidéo, d'accord. Là, il force le framerate, d'accord. Il fait exprès de forcer le truc. Ok, d'accord. Ouais. Ça n'a pas l'air facile à utiliser cette histoire. Hein. En fait, apparemment, il y aurait un modèle à fournir ou un peu. J'ai du mal à comprendre le dire. Donc là, on met quelques paramètres. D'accord, on n'est pas obligé de le fournir s'il n'est pas fourni, d'accord. On peut rajouter le PTS start si c'est pas les mêmes vidéos, d'accord. Ouais, non, ça on s'en fout. D'accord. Une vidéo référence, ouais. Une vidéo distordue. Un upsample, d'accord. Ouais, alors le problème, c'est qu'il faut avoir faut avoir la vidéo référence quand même, et la vidéo référence, on l'a pas. C'est un peu compliqué, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, pour avoir un vrai score,
on va dire, un fichier référence très peu, voire pas du tout compressé, donc généralement qui va prendre énormément de place. Et ensuite, derrière, vous faites le comparatif avec les autres vidéos, les formats finaux, où vous avez la compression avec les différents codecs, donc la V1, le VP9, le H265, si vous voulez comparer aussi avec le H265, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait explorer plus tard dans le futur avec un truc comme, je sais pas, moi, des fichiers qu'on générait avec une carte graphique qui sait faire l'encodage H264, H265, VP1, AV1, pardon. Genre celle qui traîne dans le PC, là. Pour laquelle j'utilise toujours pas l'encodage AV1 pour enregistrer les streams, qu'à chaque fois je récupère le stream de Twitch une fois que j'ai fini. Par une qualité foufou. Donc, ouais, je me tâte à mettre ça de côté. En tout cas, je suis content. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Alors, en fait, un truc auquel il faut penser, vous voyez, par exemple, ici, il nous dit que la médiathèque est vide. Bon, ça, c'est pas très grave. En fait, dans les films, quand vous scannez un dossier dans lequel il y a des films, vous pouvez lui dire, va me chercher des métadonnées, et donc vous allez vous retrouver avec la fiche du film, les années, machin, etc., les acteurs. Normalement, le titre peut-être original du film ou le titre en français, si vous avez choisi de faire une recherche dans la base de données en français, ou à l'inverse, vous voulez absolument avoir les infos originales et vous les avez fait en anglais avec le titre en anglais, etc., ça c'est vos préférences à vous. Et de la même façon qu'un Netflix. Sur un Netflix, je sais pas. La logique, elle est un peu algorithmique, donc c'est encore un peu différent. Mais en gros, vous avez les films qui peuvent être classés par catégorie si vous le voulez. Mais surtout, en fait, vous allez pouvoir voir les films que vous n'avez pas encore vus dans la médiathèque. Ce qui est quelque chose que vous n'avez pas par définition, parce que le catalogue de Netflix, il est tellement changeant qu'en fait, il vous le montre pas. Mais donc, vous pouvez choisir les films que vous n'avez pas encore vus, les films qui ont été ajoutés récemment. Ça, c'est pareil, même si un service comme Netflix, Amazon, etc. vont avoir tendance à vous mettre le contenu récent en avant. C'est pas forcément toujours le cas, puis surtout, c'est eux qui décident le contenu qu'ils veulent mettre en avant. Ça, c'est pas forcément... Et pour le coup, ça tient pas du tout de l'algorithme. Hein. C'est que j'adore les mecs quand ils disent... ouais, notre dernière production est un succès. Oui, bah oui, en même temps, tu la forces dans la gorge des 260 millions d'abonnés, je sais plus combien ils sont là maintenant. Même quand ça vous intéresse pas, vous allez arriver sur la page d'accueil de votre service de streaming, il vous le met en plein écran, coucou, machin, ça vient de sortir, regardez, tout ça. Il vous le met en bande-annonce à chaque fin de truc que vous allez regarder. Enfin, voilà. Oui, après, ils peuvent dire qu'il y a des vues. Hein. Ils calculent les vues comme YouTube calcule les vues. Je sais plus si vous vous souvenez, on avait vu... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quoi? J'ai vu que le Home Assistant, là? Ouais. 286 vues. Alors, il me semble que moi... Hop là. Si je regarde les données analytiques. J'en ai rien à foutre, hein, je peux les partager. Donc on voit... Alors là, on nous dit qu'il y a quand même 27 heures de visionnage. 27 heures, mais la vidéo dure 2 heures. S'il y a 308 vues, multiplié par 2 heures, on devrait avoir 600 heures de vues. Donc déjà, on voit que ça est passé à quasiment 90% par les recommandations YouTube. Ça, c'est... Voilà. Hein. La vue. Enfin, ça m'énerve. Donc quasiment tout sur la page d'accueil. Et surtout, c'est la durée moyenne d'une vue. La vidéo dure 2 heures. Plus de 2 heures. Il calcule une vue sur 5 minutes 30 en moyenne de visionnage.
Et donc sur tout le visionnage, on voit qu'il n'y en a que 3%. 3% des 300, hein, faut me souvenir. Qui sont arrivés au bout des 2 heures. Là, on est quand même sur quelque chose. Donc c'est quand même assez... comment dire ? Il y a des limites au sens qu'on peut donner aux chiffres. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire sur Cody ? Pas grand chose. Est-ce qu'il n'y a pas un skin qui ressemble à quelque chose d'un peu plus propre que... Parce que ce skin-là, en fait, c'est le même depuis des années. Enfin, c'est quasiment le même depuis 2016. Je sais pas si... interface. L'habillage, c'est estuary. Et il n'y a que ce... Non, en obtenir plus. Est-ce qu'on a des trucs qui ressemblent... Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ouais. C'est particulier, hein. Ouais. Et pour se coller un peu. Ouf. Ah, c'est jaune. Ok. Ah, c'est rigolo, hein, mais... Ça taxe bien le... On dirait les couleurs de Plex, je sais pas si ça... Si ça vous parle. Ouais. Non. J'avoue que je... Donc après, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de pouvoir en installer d'autres en dehors de... De la bibliothèque, mais bon, c'est... Ah, sinon, je repasserai sur l'habillage de base, hein, mais bon, c'est juste que c'est quand même pas... Quoi ?
Alors, c'est minimaliste, mais trop. C'est-à-dire que là, j'ai rien. Ah oui, c'est-à-dire que lui, il est concentré pour afficher directement le contenu. Vous avez rien d'autre. D'accord, oui, donc en fait, c'est s'il n'y a rien, il affiche aucun menu. C'est un peu trop. C'est un peu trop too much, hein. Ouais, c'est un peu trop. Bon, on va reprendre celui-là, hein. Du coup, il a pété l'arrière-plan. Oh putain. Ah vache. Quoique non, il y a moyen de remettre. Où est-ce que j'ai vu? Peut-être là, si on fait interface. Figurer l'habillage. Menu principal. Illustration, afficher le fan art des médias en arrière-plan, oui. Motif d'arrière-plan. Mettre type 1. Non, bah je... Thème, couleur, police. Il a un peu niqué, on va pas se mentir. C'est assez surprenant. Ok, bon. Voilà. C'est quoi ça, du coup? On peut changer les couleurs. Non, sans déconner. Oh mon Dieu! D'accord. Ah, vous voulez vous faire des couleurs à la... Oh, le vert, il est vert de chez vert. Ah la vache. Charcoal, c'est quoi? Oui, c'est pour le faire en noir et blanc. Bon, on va faire prédéfini par l'habillage. Vois pas la différence. J'avoue que là, on est quand même sur un truc. Putain, le. J'ai l'impression que le thème, il est pas passé entièrement. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc type redémarrer? Oui, on va redémarrer, on va voir ce qu'il dit. Puis après, on va arrêter là. Hein. De toute façon. Le pire, c'est qu'en plus, je suis pas là ce week-end, donc je vais même pas jouer avec. C'est-à-dire que là, j'éteins ça ce soir, et puis on verra la semaine prochaine quand je serai rentré chez moi. Oui, c'est bon, il a récupéré. Donc c'est vraiment. Le changement de thème, c'est pas bien passé, on va le dire comme ça. Donc si ça se trouve, le thème précédent, là, celui qui était minimaliste, qui était quand même assez sympa. Enfin, en tout cas, visuellement, il avait l'air assez. J'aime bien le minimalisme, hein, quand même. Ça pourrait être sympa. Ok, bon, et ben cette fois, allez, éteindre le système.
Il est déjà éteint. Parfait. Et ben voilà. Donc du coup, je peux fermer VLC. On arrête là. Du coup, bon, ça je ferme. On n'a plus besoin. LibreLec, au final, on n'en a pas eu plus besoin que ça. Alors pour la petite histoire, la rigolade, c'est que l'installation de LibreLec, même si elle était pour les PC et x86, je l'ai fait avec le Raspberry Pi Imager. Pour une bonne... Non, non, le LibreLec, j'ai fait quoi? Je me souviens plus. Je l'ai fait avec le Raspi Imager, avec le LibreLec Imager. J'ai le LibreLec Imager, il me semble. Hein. Ah oui, il est là, l'USB Creator. Ok, donc j'ai rien dit. Je raconte des conneries. Je raconte des conneries. Ok, bon, et ben voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, on n'aura pas besoin. Donc vous voyez, non, voilà, c'est Recalbox. Recalbox peut passer par le Raspi machin, même si c'est pour installer sur un PC. Par contre, eux, ce qu'ils font, c'est ils disent, vous mettez l'image sur votre carte SD, machin, etc. Et en fait, le système va se décompresser, entre guillemets, et va se terminer son installation sur le support de stockage où vous l'écrivez, en fait. Comme pour les Raspi, vous mettez ça sur la carte micro SD, et en fait, c'est l'installation sur la carte micro SD qui se termine une fois que... Comment ? C'est très rigolo, ça. Une fois que vous démarrez dessus la première fois. Donc là, pour le coup, il vous faudrait, si on veut faire une install sur un SSD, il vous faut un adaptateur comme celui-là. Donc c'est un adaptateur NVMe USB. Et ça vous permet... Alors en l'occurrence, ça limite un peu les débits. Hein, parce que le contrôleur qui... Le contrôleur qui est derrière pour l'USB, je sais plus si j'étais pas limité à un truc genre 500 mégaoctets par seconde, ça va, on a vu pire. On a vraiment vu pire. Ça permet déjà d'être pas mal. Ça m'a évité de devoir laisser tourner une nuit une copie de SSD comme j'ai pu le faire avec... Quand j'ai transféré le SSD sur mon nouveau PC. Au niveau du... C'était le SSD du micro PC Radeon, du mini PC AMD. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Oui, donc ça je peux fermer ça. Ça je me tâte à le garder dans un coin. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être la semaine prochaine, au cas où, en fonction de... En fonction de la du calendrier et de la motivation, je vais avoir deux trois choses au choix, je sais pas trop. Soit on attaque ce que je voulais, ce dont j'ai parlé la semaine dernière sur le chaos testing, où rappelez-vous, on était on avait plusieurs choses à faire, on avait une plateforme à définir, le monitoring à définir, l'outil de test de montée en charge, et après, comment péter ce qu'on a déployé. Donc, la première étape, ça va être ça. Sachant que là, à l'époque, j'avais mis Redis, parce que je trouvais que c'était mentalement le truc le plus rapide et le plus évident à mettre en place. Mais pour ceux qui ont suivi l'histoire, Redis, il y a quelques temps, ils ont fait un truc bien sale avec leur licence. Et du coup sur coup, on a eu des choses qui se sont montées, comme Valky, ça s'est basé sur la dernière version de Redis, dont la licence permettait d'être forkée comme il faut. Donc c'est Redis, c'est juste qu'il a un nouveau nom. Et ils ont déjà sorti des images... des images de la dernière version en 7.2 là.
Officiellement, c'est censé être compatible avec les bibliothèques Redis actuelles. Donc l'idée, c'est de voir à quel point c'est compatible. Et donc de tester Valkey à la place de Redis. D'ailleurs, on va se rajouter le lien tout de suite. Ouais, je vais faire comme ça. Autre sujet, FrankenPHP. J'ai vu passer ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce Camoulox? Un serveur d'exécution pour PHP, mais écrit en Go. Et là, vous vous dites, mais quel est le fuck? Pourquoi il s'appelle FrankenPHP? Parce que, a priori, il embarque PHP en l'intégrant avec Kadi. Kadi, c'est un serveur web dont j'ai pu lire pas mal de bien ces derniers mois, qui me surprend un petit peu. Qui me rend curieux en tout cas, et j'ai envie de le tester. Il embarque un client Acme pour gérer les certificats HTTPS, notamment avec Let's Encrypt. Manifestement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de paramétrage, bon, comme ça, au-delà de la promesse, voilà. On est capable de créer des binaires si jamais vous faites des outils en ligne de commande. Ça, c'est complètement dingue. Et c'est censé supporter les extensions les plus courantes de PHP, parce que un des éléments voilà, qui peuvent être particulièrement on va dire critiques, c'est les modules que vous utilisez. Donc manifestement, faut pas grand-chose pour le faire tourner. 8080, 443, ouais. 443 en UDP, ça c'est pour HTTP3, il me semble que j'en ai déjà parlé. Donc ils fournissent des binaires autonomes, oui, bah c'est souvent le cas, hein, avec quand c'est écrit, quand vous avez un utilitaire écrit en Go. Donc on est quand même sur des trucs assez fous. Et donc manifestement, il propose même des Franken WordPress, ok. D'accord. C'est quoi l'idée? WordPress a image build for scale, it uses Franken PHP server bundled with Kadi, d'accord. Lightning fast server, donc ça veut dire que dans une... Ah ouais, putain! Du coup, on se retrouve dans une seule image, avec un fonctionnement finalement un peu à la Apache avec PHP en module. Et du coup, vous pouvez mettre ça dans une seule image. Ah ouais, d'accord. Ah, donc on s'amusera peut-être à mettre ça en place. Ok. Et du coup, c'est quoi l'idée dans cette image-là? Alors, pardon. Bah non, pourtant, on est déjà en 133. Est-ce que ça va être assez... C'est un peu petit pour vous. Il y a pas mal de labels. Il récupère l'image de WordPress. Donc là, il récupère WordPress version. Il récupère Franken PHP. Il fait pas mal de choses. Hein. Il récupère Kadi de Builder PHP. Il rajoute des variables avec Kadi. Là, il rajoute un truc Sidekick Middleware Cache. Ensuite, il rajoute un Kadi Build. D'accord.
Ensuite, il rajoute, il récupère le binaire FrankenPHP de Builder. Donc là, il prend le dernier. Quoi? C'est quoi l'intérêt? Il prend le latest PHP machin. Il récupère le binaire FrankenPHP de Builder qui est au-dessus de Kadi. Non, de FrankenPHP, latest Builder, PHP version as Builder. Mais c'est quoi le délire? Bon, je... Ok, pourquoi pas. Replace the official binary by the one containing your custom module. Ah, d'accord, ok. Oui, bah oui. Ok, d'accord, je comprends mieux. Autant pour moi. Autant pour moi. Ensuite, il rajoute les dépendances. Ça va être pour les PHP extensions. Ok, donc ensuite il copie, ensuite de WordPress, il récupère les sources de WordPress, la conf de PHP, le Docker Entry Point, ok. Ensuite il déclare le volume, il déclare le WorkDir, MU plugin, donc ça c'est pour le multisite, mais on s'en fout. D'accord. Ouais, bah, c'est peut-être une image qu'on utiliserait bien. Hein. Ok, ok. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la main droite qui tremble? Parce que j'ai le téléphone juste à côté. Donc ouais, on se mettrait peut-être bien ça pour rigoler. On se mettrait peut-être bien ça pour rigoler. Et la BDD... En l'occurrence, pour ce projet-là, je la déploierai à la mano. Ce sera, bah, si on met du WordPress, ce sera du MariaDB, hein, évidemment. Un des challenges qu'on va avoir quand même, c'est de brancher un truc comme ça à Redis. Parce que pour réussir à le faire, soit de manière native, on verra un peu comment ça se passe, mais il y a quand même risque d'y avoir quelques challenges. Ce qui va notamment falloir s'occuper du fichier de conf. Donc on aura quand même peut-être un vrai... On prendra peut-être pas l'image d'exemple, mais on s'en inspirera peut-être très fortement, ou on la reprendra et on rajoutera 2-3 conneries par-dessus. Au choix. On verra bien. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu cette semaine. Donc si on se fait ça vendredi prochain, voilà, on pourra faire ça. Autre truc, dernièrement, quand j'ai eu besoin d'avoir côte à côte, parce que là, vous voyez, on s'est encore fait chier à avoir deux onglets, mais on aurait pu avoir les deux sur le même écran. Donc, on a les raccourcis clavier qui permettent de splitter... Je sais plus si c'est comment on fait. Alors, j'avais un raccourci pour le split à la verticale. Ok, ouais, c'est ça. Donc la logique, c'est d'un côté j'ai Alt Shift égal, donc sera Alt Shift plus, et de l'autre côté c'est Alt Shift 6. Voilà, c'est un peu comment dire. Voilà, l'idée étant de splitter pour avoir plusieurs choses à l'écran. Bon, après, pour vous, pendant le live, c'est pas toujours sympa, parce que du coup, comme le texte, il revient par défaut, il est vachement petit. Mais moi, j'ai ça. Et bah, on est quand même sur des trucs où... ouais, puis après, il faut faire Alt pour changer de... Et je sais pas si vous le voyez bien. En fait, la ligne bleue, là, elle bouge d'un pixel. Pour dire que je suis en haut ou en bas. Bon. Voilà.
Et du coup, au boulot, j'ai vu un collègue utiliser un outil qui s'appelle Zellige, qui au final est assez simple dans son concept. Les utilisateurs de Temux connaissent déjà à peu près le concept, sauf que là, c'est une version, on va dire, peut-être un peu plus moderne que Temux, écrite en, qui est écrite en Rust. Et du coup, alors je ne sais plus comment j'ai fait moi sur cette installation-là. Est-ce que j'ai fait. D'accord, j'ai pas créé de fichier de conf global. D'accord, donc moi je devrais pas avoir de problème en local là ici. Je devrais pas avoir trop de problèmes, mais en gros. En fait, au boulot, il marche très bien. Mais sauf que quand il démarre, les shells qui me démarrent ne démarrent pas Starship. Donc ça, j'ai un bricolage en plus à faire, j'ai compris pourquoi, à la limite, ça je pourrais vous l'expliquer. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est comment on fait pour avoir un multiplexeur, et surtout un multiplexeur dans lequel on pourrait. Dont on peut se déconnecter, dont on peut sauvegarder les sessions. Et donc en fait, vous pouvez sauvegarder toutes les fenêtres enfin toutes les. Finalement les shells que vous avez ouverts. Et je sais pas si on peut. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Donc en gros, il vous découpe votre fenêtre, soit avec des tuiles, soit en mode tuile, c'est-à-dire les coller les uns aux autres, soit carrément en flottant. Ou en mode cascade, voilà, vous avez le choix. Moi, en gros, typiquement, c'est un peu ça qui m'intéresse comme mode de fonctionnement. Vous avez un système de session, vous avez un système de. Et donc vous pouvez enregistrer le statut en fait de ce que vous faites et le retrouver quand vous vous relancez dessus après. Donc ça peut être vachement intéressant à montrer. Et du coup, voilà, je pense que je voulais passer un petit peu de temps dessus, parce que c'est quelque chose que je suis susceptible d'utiliser. Que je vais peut-être utiliser, bah, notamment quand on est sur du Windows avec du WSL ou le Windows Terminal. Voilà, les capacités de découpage sont pas toujours foufou. Parce que historiquement, sur du Linux, j'ai pris l'habitude, quand j'ai besoin de faire ça, d'utiliser Terminator. Je suis un peu vieux jeu, je sais. J'en sais. Mais ceci dit, si Zelig je remplace avantageusement, je serais susceptible de chercher à installer Zelig. En l'occurrence, ce serait installé sur mon poste de travail. Et je peux splitter les fenêtres comme je veux. Comment? L'avantage, c'est quand on doit travailler sur des serveurs distants, en fait, vous n'avez pas à modifier les installations sur les serveurs distants. Ah, des trucs. Une des raisons pour lesquelles, typiquement, je suis resté sur du bash pour mon shell. C'est que même si je m'amuse à installer Starship sur mes serveurs, là je m'en fous, ça reste du bash. Ça reste du bash pur et dur. Si je veux aller sur un serveur qui est aussi sur bash, mais où il n'y a pas Starship, j'en ai rien à foutre. Puisque je vais retrouver un environnement que je connais, sur lequel je sais taper des commandes, je sais utiliser des raccourcis clavier, etc. etc. Et donc Zelig, à part me donner du confort sur mon environnement local à moi, c'est pas ça qui va m'empêcher de travailler le jour où j'ai besoin d'aller sur voilà sur un environnement où j'ai pas Zelig. Déjà parce qu'éventuellement je peux avoir Temu ou Screen, je sais plus un des deux. Ou je peux avoir encore que Screen, je sais pas comment faire le mu. Je m'en suis jamais servi pour faire du multi-écran. Screen, les rares fois où je m'en suis servi, soit je savais que j'avais un truc à faire qui allait prendre énormément de temps. Et du coup, je mettais la session en arrière-plan et je pouvais me déconnecter du serveur, notamment sur serveur, où je pouvais déconnecter du serveur et reprendre la session où ça en était. D'ailleurs, est-ce que je peux vous faire une démo là? Est-ce que. On va aller se mettre où? On va se mettre là. Est-ce que. Vous voyez, Screen n'est même pas installé. Oh là là. Alors.
On va faire ça. Oui, vas-y, installe. Installe. Alors, c'est quoi? C'est screen-s. Je sais pas, on va faire quoi? Test session. Donc là, bon, il est un petit peu perdu. Oh la vache, d'accord. Donc là, j'ai Starship qui est complètement craqué avec, avec screen. Ok, mais bon, si je fais... donc on est dans un screen, donc on a des raccourcis. Utilise Tmux. Oui, mais j'étais en train... Alors là, t'arrives en cours de route, c'est encore pareil. Bonsoir, Nidouille. J'étais en train d'expliquer comment j'utilisais screen, mais bon, là, avec Starship, on sent la galère, il bug complètement. Mais l'idée, c'est que je peux me détacher de la session, je peux me déconnecter du serveur, et quand je me reconnecte sur le serveur, j'affiche les sessions, et si je fais... c'est quoi, c'est screen-r... Là, j'en ai qu'une, donc normalement, ça va marcher, et il reprend là. Ok. Et c'est pas beaucoup mieux. La vache. Ok. Bon, bon, allez, hop, on le bute. Bah, justement, allons voir tout de suite si Tmux serait capable de faire mieux. Alors par contre, le problème, c'est que Tmux, je connais pas les raccourcis clavier, donc hop, on va faire un truc tout de suite. Comme d'habitude, les cheat sheets. Hop, voilà. On a un site web. Parfait. C'est CTRL-B, le... D'accord. Okay. Donc là, si je fais ça, c'est quoi? On fait juste Tmux. Ouais, c'est ça. Hop. Oui, donc là, a priori, ça marche mieux. Ça marche mieux. Et donc là, si je fais un... c'est quoi? C'est CTRL-B, CTRL-D. Il l'a pas pris. Ah oui, d'accord, ok, donc il faut lâcher le contrôle après. Ok, donc là, si je fais quoi, c'est quoi, Tmux-L, oh, pas de bol. Tmux-LS, il aurait fallu que je fasse, d'accord. Ok, donc là, c'est je fais CTRL-B, je lâche D. Ok. Donc là, je peux me faire, je me déconnecte, je me reconnecte. Tmux-LS, il m'en a sorti deux, évidemment. Là c'est quoi Tmux, ça va être quoi, je fais quoi, Tmux A, ah, on va mettre 0, non pas de bol, parce que du coup vu que j'en ai deux je fais comment, Tmux A -T, ah oui tiré T, putain je suis con, oh là là, je lis même pas la cheat sheet comme il faut, merci. Hop, voilà, et du coup, là, du coup, il va me rester quoi? Il va me rester celle-là, d'accord, et dans celle-là, j'ai rien mis, ok, donc je peux... Ok, ok. Donc, voilà, voilà, et donc, Zelige peut faire plus ou moins la même chose. Du coup, j'ai envie de le... J'ai envie de le tester et surtout j'ai envie de reproduire et de vous montrer le problème que j'ai eu parce qu'il m'a soulevé un point important sur la notion de login shell. Donc voilà. Je me le mets pour la prochaine. Le dernier truc débile que j'ai envie de faire, j'ai craqué. J'ai craqué, il arrive la semaine prochaine. J'ai acheté d'occasion un Stream Deck Elgato. Donc je l'ai trouvé, ça se trouve à 95 balles. J'ai du mal avec Zelige, je n'ai pas fait d'effort. Ouais, bah en fait, c'est comme tout nouvel outil, il faut apprendre les raccourcis clavier. Honnêtement, en termes de philosophie, j'ai trouvé que par rapport à un Tmux, c'était particulièrement proche. Il faut apprendre les raccourcis clavier et ça devrait passer. Enfin, de la même façon que, voilà, moi j'ai toujours été habitué à Terminator pour avoir un truc où je découpe la fenêtre et tout le bordel. Et là, bah, les raccourcis de Windows Terminal, bon, bah, ils sont ce qu'ils sont, mais je commence à les connaître. Et en plus, on peut en changer certains, donc du coup, j'ai pu retrouver certains raccourcis clavier de Terminator.
Donc voilà quoi. Temux, c'est la prise en charge de la souris qui fait chier. Bah ouais, et bah justement, ça c'est un des avantages de Zelige. Zelige, par exemple, on sélectionne un truc, il le copie, il affiche bien qu'il le copie par défaut, etc. Il fait pas mal de choses, il a l'air de faire pas mal de choses bien, assez intéressantes. Donc du coup, ça me pousse à vouloir creuser un petit peu pour voir comment ça pourrait me faciliter encore plus la vie. Et puis si vraiment il faut que je l'installe sur mes serveurs, je l'installerai sur mes serveurs. Mais bon, la difficulté, c'est qu'après, il faut se souvenir qu'il n'est pas forcément dispo partout et qu'un jour, le jour où on en a besoin et qu'on ne peut pas l'installer ou qu'on n'a pas le droit de l'installer, c'est un peu terrible. C'est un petit peu terrible. Donc voilà. Alors, ce que je disais. J'ai craqué, j'ai acheté un Stream Deck d'occasion. Il est parti tout à l'heure, donc bon, je l'aurai la semaine prochaine. Alors évidemment, il va me servir sous Windows, mais j'avais envie de bricoler dessus sous Linux. Et là, on a deux choix. Soit je m'amuse à brancher sur mon laptop, et il faut que je branche mon laptop en HDMI. Bon, maintenant, on a vu que je pouvais le faire facilement, hein, avec la carte de capture. Et en plus, la carte de capture, de toute façon, je peux vous la mettre... j'ai pas besoin d'afficher dans VLC, je peux vous l'afficher directement dans OBS. Et je suis tombé sur un truc... sous Linux, en fait, vous avez un outil qui s'appelle voilà, Stream Deck GUI. Ah, mais je comprends, un screen, c'est vraiment... c'est rudimentaire. Hein. Honnêtement... Voilà, j'ai deux usages de screen sur un serveur. C'est soit je m'en sers pour pouvoir garder un truc ouvert en me déconnectant parce que je sais que ça va durer des heures et que j'ai pas besoin de rester à côté. Genre une compilation à la con. Ou un gros transfert AirSync entre deux serveurs qui va prendre 4 heures. Et sinon, c'est pour faire du partage de session. Parce qu'en fait, screen, l'avantage, c'est que vous pouvez être branché entre guillemets à plusieurs dedans et taper dans le même shell en fait. Et ça, typiquement, au boulot, à une époque, quand il s'agissait de montrer à quelqu'un comment faire ou que quelqu'un vous montre ce que vous devez faire, plutôt que d'avoir des partages d'écran, être connecté sur le même serveur en SSH et se connecter à la même session screen, c'était quand même intéressant. Donc, je disais... je veux tester Stream Deck UI, qui est une application sous Linux pour manipuler Stream Deck. Évidemment, c'est toujours non officiel, hein, parce que Elgato n'en a absolument rien à branler des Linuxiens. Ça n'a pas empêché certains de se sortir les doigts du FIAC pour nous sortir une bibliothèque assez impressionnante. Donc ça, c'est le fork de la bibliothèque du logiciel d'origine. Qui n'est plus maintenu, ça utilise une bibliothèque Python, qui est celle qui s'occupe du support matériel. Donc on voit que ça supporte le Stream Deck original, le Mini, le XL, Stream Deck Pédale, c'est vrai qu'il y a une pédale, et le Stream Deck Plus. Le Stream Deck Plus, c'est celui avec les potards en plus. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait la demande pour le support du Stream Deck Neo, on n'a pas de nouvelles, donc on verra plus tard. Et donc je disais, deux possibilités. Ouais, je le teste sous Linux avec le laptop que je vous brancherai en HDMI pour vous montrer comment ça marche. Et comme je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête, je me suis dit tiens, quand on a besoin de passer un périphérique USB à WSL2, sachant que WSL2 c'est de la machine virtuelle, comment ça marche? Il n'y a pas moyen de le faire simplement avec WSL2. Non, non, mais il servira sous Windows aussi, mais j'ai envie de le présenter, comment ça marche sur Linux. Hein. Et donc, j'ai cherché comment connecter des périphériques USB à WSL. Apparemment, ça ne marche pas, mais il y a un truc qui s'appelle USB sur IP, je ne savais même pas. Ben non, le passerou, ça n'existe pas, manifestement, on n'y a pas accès, pour plein de raisons, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est de l'hyper-V, ça devrait être... Oui, ça aurait pu être possible à un moment donné, mais malheureusement, c'est pas le cas. Sachant qu'en plus, il faut quand même du WSL2, hein, donc ça donne une idée du délire.
Et en fait, il faut utiliser un truc qui s'appelle USB IPD. Et donc, c'est un petit utilitaire qu'on peut installer de différentes façons, soit avec des binaires, enfin avec des MSI à installer, ou alors avec Winget, par exemple. Et après, vous dites, vous cherchez la liste des périphériques, vous chopez le périphérique que vous voulez. Que vous voulez connecter. Alors, sachant que c'est un truc qui n'est pas persistant en plus. Un bonheur. Alors, c'est peut-être plus direct que ça, mais l'idée, c'est qu'en fait, en arrière-plan, ça passerait par du réseau. Et Microsoft, dans sa doc, dit bien que c'est le genre de choses qu'on peut utiliser pour flasher des Arduino ou ce genre de conneries. En raccordant, entre guillemets, le périphérique USB via USB sur IP. Et pourtant, ça en paie, quand donc, alors je sais pas trop ce que ça fait quand on le fait attacher à WSL, hein, mais derrière, après, quand on est sur un sur le papier, quand on est sur un Ubuntu ou un truc comme ça, si on fait un LS USB, on est censé le voir. Donc moi, ça me surprend. Je me dis, si on est bourrin. Ça pourrait se tenter, et du coup je pourrais le tenter depuis Ubuntu, hein, parce que faut pas oublier que depuis quelques temps avec WSL2, on a WSLG, donc en fait là moi je fais si je lance Firefox, bon là il arrête pas de gueuler pour plein de raisons, mais voilà, ça me lance une application Firefox graphique. Alors j'ai juste un problème, c'est que je sais pas pourquoi il prend pas le clavier FR alors que je suis censé l'avoir paramétré partout dans tous les paramétrages de. Mais comment? Mais bon, c'est pas. Après, voilà, il y a des erreurs avec FreePortal, machin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il manque les points service, il manque. En fait, il manque XDG settings, donc peut-être que c'est à cause de ça qu'il n'arrive pas à lire le truc, parce que comme il est branché dans. Comme c'est du Firefox Snap. Voilà. voilà. Tu dis, la doc fait penser que Microsoft n'a pas eu envie de se casser la tête avec WSL 1 et WSL 2. Alors, WSL 1, vu la gueule que ça a, je sais vraiment pas. J'ai l'impression que le WSL 1, c'était un immonde bricolage. Pour avoir un moyen de faire tourner de l'ELF, hein, du binaire Linux, directement sous Windows. Avec un fonctionnement qui faisait un peu penser à du Wine, par exemple. Ah bah, bon, voilà. voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et WSL2, ils ont dit, on arrête les conneries, on fait de la vraie machine virtuelle. Qui démarre très très vite, hein. Moi ça me. Mine de rien, ça me surprend la vitesse à laquelle ça peut démarrer. Mais par contre, ça vient avec d'autres limitations à la con, du style, bah, comme c'est une vraie machine virtuelle et qu'ils font du réseau NATé, par exemple, bah, le réseau, c'est que de l'IPv4, il supporte pas l'IPv6. Donc du coup, ça revient en arrière, alors que le WSL1, lui, il était capable d'utiliser le réseau IPv6 natif de Windows. Mais comme on faisait pas tourner un vrai noyau Linux, bah, y a plein d'usages qui n'étaient pas possibles. Ça cassait encore les burnes. Alors que là, finalement, le WSL2, en étant dans une vraie machine virtuelle, bah, c'est quand même beaucoup moins pénible. Du coup, je me souviens, à l'époque du WSL1, j'avais dû installer le Nmap Windows, parce que je pouvais pas faire de Nmap Linux, parce qu'il y avait des appels qui tentaient de faire au niveau noyau pour faire du TC, pour manipuler les paquets TCP, et qui passaient pas, parce que c'était pas un noyau Linux. Donc bon.
Alors, pour ceux qui veulent utiliser WSL2 avec VMware Workstation, ça merdouille un peu, impossible de faire de la virtualisation imbriquée. Ouais. WSL2 isolé niveau réseau. Oui, bah c'est ce que je disais, c'est que... Alors, au niveau réseau, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Typiquement, là, si je lance un... Est-ce que j'ai un truc qui tourne là que je pourrais tester bah, il me semble que je l'avais montré, le... Comment il s'appelle Trago 1. Alors, j'avais fait un Docker Compose de ça. Alors, déjà, j'ai plus besoin de ça. Ok. Ouais, bon, ça c'est pas grave. Donc là, il m'a redémarré. Donc là, il réécoute bien sur 00.30.30, et donc dans le Firefox Windows, pas WSL2, hein, Windows, si je fais un 127.00.1, et donc c'était 30.30, bah le trago, il est là, tiens. Quand je l'avais montré, le trago répond. Donc quand on lance un truc dans le WSL, on arrive à accéder au port depuis le Windows. J'ai tenté d'utiliser le client Oliama sur mon Oliama qui est démarré sous Windows pour pouvoir accéder à l'accélération graphique d'AMD. Donc le Oliama, lui, il écoute sur un port à la con. Je sais plus si j'avais fait un truc... qui dit le voilà, il écoute sur le port 11434. Et ben, si j'essaye de faire un localhost 11434, ben, sous Linux ça ne fonctionne pas parce que le localhost c'est sur l'IP en 172.26 là, et ça c'est l'IP qui est à l'intérieur de. Et j'ai tenté d'utiliser, il y a un formatage de nom de domaine où on met genre le nom de la bécane en point local. Voilà, c'est ce que j'avais tenté de... Si on met le hostname point local, on est censé... ça, c'est censé pointer du coup sur l'hôte, Windows. Sauf que bah, le port 11434, il me dit que c'est filtré. Et donc ça, a priori, le problème, il est connu, et c'est côté Windows, où en fait, il faut aller bidouiller dans le firewall pour débloquer cet accès-là. Et là, ça pourrait marcher. Donc c'est bizarre, voilà, on lance des trucs sous Linux, c'est exposé, on peut y accéder depuis le Windows. Par contre, si on lance des trucs sous le Windows et qu'on essaye d'y accéder depuis le Linux, c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément. Donc voilà, c'est, faut se le. Alors, j'étais pas pressé de le faire, hein, donc je me suis pas, comme d'habitude, hein, je suis mauvais en réseau, je vais pas péter mon firewall sur le PC parce que là, je saurais pas m'en sortir. Après derrière, ça serait la merde. Mais et on voit qu'en fait, il y a plusieurs adresses IP qui ressortent pour le nom de domaine. Hein. Et du coup, je sais pas quelle IP il a pris. Je sais pas s'il les a pris toutes ou pas. Ça, c'est l'IP sur le réseau local complète. Donc là, s'il fait ça, il tombe sur le... Mais ça marchera pas pour le coup. Ça marchera pas parce qu'il me semble... Alors c'est vrai que ça, je pourrais le tester peut-être avec un PowerShell. Il me semble que... Comment on fait pour afficher... PowerShell show list port, comme ça, faire ça.
On doit avoir un truc comme ça avec une commande à la con. Non, ça, le test Net Connection, ça, je l'ai sorti pour le boulot, mais... C'est pas ce qui m'intéresse. Hop. Non, mais je m'en bats les couilles. Oh putain, non. Non, non, non. Ah, voilà. Ça, on pourrait le faire comme ça, il affiche. Ok. Ok, ok. Donc, du coup... Moi qui ai vu l'heure et qui me disait que j'allais finir tôt. Hop. Alors, local port, c'est ça qui m'intéresse. Local port, il est où le 11 machin? 11434. Ah, local adresse, hein. Local adresse 127001. Donc, Donc ouais, en fait, il écoute que sur 127.0.0.1. Donc même ça, en fait, il y aurait peut-être besoin de le changer. Si on voulait tenter de contourner pour qu'il soit joignable d'ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, si on veut utiliser... Parce que là, moi, Oliama, de toute façon, il sert qu'en local sur le poste, donc je m'en bats les couilles. Mais si on veut utiliser Oliama dans un environnement qui est partagé, en mode API, pour typiquement qu'il soit utilisé par plusieurs programmes différents... Plutôt que chaque programme embarque son propre machin. Ouais, c'est ça. Ou même à partir du moment où... En fait, il y aurait deux choses. Il y aurait changer l'interface d'écoute, donc en mettant une adresse IP qui soit pas celle en 127.0.0.1, pour que Oliama écoute sur autre chose. Et de toute façon, ça n'empêche pas qu'en fait, il faut pouvoir autoriser la connexion. Et donc, soit le parfait de Windows demande explicitement l'autorisation quand Oliama démarre, pour savoir s'il a le droit d'écouter... ou s'il a le droit, si on peut le laisser passer le trafic sur les zones publiques, les zones partagées, les zones privées, etc., telles qu'elles sont définies dans Windows, dans le pare-feu Windows, soit bah, il s'agit d'aller le faire à la main dans le module pare-feu avec l'interface affreuse qu'ils ont encore là. Si on va dans le pare-feu Windows Defender, on est sur un module qui date de. Je sais pas si c'est pas. Windows Vista, ça, un truc comme ça. Voire même encore avant, genre Windows XP. Et donc on est toujours sur cette vieille interface MSC, où après, ben, on a les règles de trafic entrant. Et où là, typiquement, est-ce que pour l'instant, j'ai un truc qui ressemble à Oliama dans un coin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que comme c'est du 127.0.0.1, je crois qu'il ne m'a pas demandé, en fait. Mais en gros, dès qu'on essaye de lui faire écouter sur une adresse IP ou sur une interface en fonction de ce qu'on lui demande, en fait, il va demander, on voit les adresses locales, les adresses distantes, machin, etc. Et derrière, en fait, on a les profils privés, profils publics, qui correspondent aux profils sur les interfaces réseau. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Non, si, peut-être. Vous voyez, moi, c'est marqué réseau public. Donc réseau public, ça veut dire que je peux voir des choses sur le réseau local, mais le reste du réseau local peut pas me voir moi. Créer une règle pour WSL pour autoriser tout en entrée et en sortie. Mode gros bourrin. Alors j'aime bien, hein, je suis fan. Hein. Mais bon, comment dire? On va peut-être pas pousser. On va peut-être pas pousser. Mais voilà, bon, tout ça pour dire, oui, donc le réseau est pas symétrique sur le WSL2, et passer l'USB par le réseau, ça me fait triper, et je me dis, il faut qu'on le tente. C'est complètement con, faut qu'on le tente. Ça a l'air assez simple quand même, mais bon. Si ça fonctionne pas, le souci est ailleurs. Oui, mais on est sous Windows, des soucis pourrait y en avoir tellement... Hein. Valide l'USB par l'IP. Mais ça me tente vraiment. Hein. Honnêtement, je sais pas en fait comment mon cerveau
En fait, si. Non, le truc tout con, c'est que moi, mon cerveau, il s'est dit, et si je veux passer, parce qu'effectivement, le passerou, on sait le faire sur du Proxmox, donc sous Linux, c'est les doigts dans le pif. VirtualBox permet d'attacher des périphériques, donc en plus sur VirtualBox, on peut le faire. Il est installé, lui, hein, je crois. Oui, voilà. Sur VirtualBox, quand on va dans la configuration, alors désolé pour la taille de l'interface, il a décidé de le faire trop... Là, on va dans USB, et en fait, on a des filtres USB, on peut rajouter un on peut rajouter un périphérique qu'on veut passer à la machine virtuelle. Et donc, à ce moment-là, le périphérique est déconnecté du Windows pour pouvoir... ensuite être utilisé dans l'environnement virtuel. Je pourrais faire ça aussi, hein, mais j'ai vraiment envie de tester. Quand j'ai vu que le Microsoft disait « Allez, on va utiliser USB IPD », je fais « Non, il est sérieux, là ?» Mais quoi ? Il faut que je le fasse. Il faut que je le teste, c'est complètement con. Et si ça marche, et qu'on arrive à faire fonctionner le Stream Deck sous Linux, sous le Linux machin, ça veut dire que ça marche pas si mal que ça. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le truc est déconnecté et qu'il faut le reconnecter à chaque fois. Par contre, a priori, c'est plus ou moins à chaud du coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de redémarrer WSL, il n'y a pas besoin de... Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est sur le... En fait, quand on le branche, il nous dit qu'on a besoin de créer une règle UDEV pour les non root users. Donc si on veut y accéder en tant qu'utilisateur, ce qui sera le cas, hein, parce que Stream Deck GUI, j'ai pas envie de le lancer en route, faut pas déconner. Mais du coup... l'idée, c'est juste de dire, enfin une fois qu'on a fait ça, après on fait un UDEV ADM trigger, et le truc il reprend, et on n'en parle plus, quoi. Donc ouais, c'est quand même... on est quand même sur un truc... Ça me bute. Donc voilà, ça fait trois possibilités de choses à faire la semaine prochaine. Je sais pas encore laquelle va me botter le plus, on verra. Je vais vous... Comme d'habitude, hein, je vous tiendrai au courant sur... ce sera sur Twitter, je fais toujours que du Twitter pour l'instant. C'est désespérant à quel point je n'arrive pas à reprendre du temps pour... pour faire autre chose. Sous Linux, niveau truc à la con, on en trouve pas mal. Ah oui, bah c'est... Je les compte plus, hein, mais... ça fait un moment que j'ai pas eu besoin de faire de trucs sales, entre guillemets. Il me va bien, hein. Je suis content, parce que bon... à un moment donné... c'est quand même particulier, mais... Mais ça fait un moment que j'ai pas eu besoin de bricoler. Là, je désespère de pouvoir changer de PC, par contre. Il pourrait m'amener à devoir rebricoler, parce que il y a des choses quand même qui me chatouillent fortement. Hein. Comme j'ai dit, mon laptop est quand même... au fond, commence à profondément arriver au bout de ce que je lui demande en termes de puissance. Et en termes de support matériel, de manière générale, hein, on est quand même à la limite. Mais trouver un remplaçant qui ne sente pas du fion d'une manière ou d'une autre, ça m'énerve profondément. Et comme là, Microsoft a décidé de péter les couilles à tout le monde, à vouloir imposer de l'IA partout. Et que du coup, tous les fabricants annoncent tout de suite des puces avec de l'IA partout, machin, etc. On n'a même pas le temps de voir arriver les laptops avec les processeurs qu'ils ont annoncés cet hiver, que déjà ils nous annoncent des nouveaux trucs avec des nouvelles puces, et moralité, on va même pas voir sortir les trucs intéressants qui vont nous sortir de la merde. C'est chiant,
Et en plus, ils vont faire payer ça ultra cher, ce qui m'emmerde encore plus. Donc, je sais pas, j'avoue que j'attends désespérément que Lenovo sorte son L14 Gen 5, là, ou son T14 Gen 5, pour avoir le 8840. À tous les coups, ils vont faire l'impasse dessus au dernier moment, parce qu'ils vont dire « Ouais, on va sortir la puce à Ikea à la place, c'est mieux !» Ça coûtera 200 euros plus cher. Déjà que les 8840, c'est comme les 7840, le peu qu'on a eu, c'était toujours plus de 1000 balles. Un peu chier. Quand je vois à quelle vitesse les tarifs grimpent chez Framework en fonction de ce qu'on configure, on se retrouve très vite avec un PC ultra cher, et puis les autres font que les trucs où tout est soudé, donc ça me saoule. C'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que c'est pas sexy en ce moment. Pour pouvoir changer de matériel pour un truc qui soit pas jetable, c'est vraiment pénible. Et du coup, voilà. Pour l'instant, ça va se finir que je vais racheter déjà deux batteries, parce que les pauvres batteries, elles commencent à être au bout de leur vie aussi, les pauvres. Et puis déjà, une fois qu'on aura fait ça, peut-être un repaste aussi, parce que c'est vrai que depuis que je l'ai, donc je l'ai acheté en deux, je l'ai acheté à Pierre-Marie en 2018. Et comme on a vu, techniquement, il est fait en 2015, en de fabrication. Donc autant dire que, bon, il a du vécu, et en fait, j'ai jamais démonté le système de refroidissement, donc la pâte thermique, en plus, vu comment je l'ai fait chauffer il n'y a pas longtemps, comme un bourrin, en testant pendant les vacances, en testant du Oliama, où je lançais des trucs de génération de code ou de texte, de résumé, etc. Il mettait plusieurs minutes à sortir. Puis le bordel, il crachait du sang à la fin, il était bouillant comme pas permis. Donc je pense que si je le démontais pour lui refaire une petite beauté, ça déjà, il irait un peu mieux, mais. On est quand même sur un processeur qui en plus s'est fait castrer méchamment avec les mises à jour de firmware pour les différentes failles, Spectre, Meltdown, et puis les 18 autres qui sont sortis depuis, où on a perdu peut-être 40% de la puissance brute du processeur par rapport à sa sortie à l'époque. Ça, c'est pareil. C'est au point que maintenant, je n'arrive plus à jouer à des jeux qui pourtant tournaient bien sur son précédent. Alors, oui, tu peux les désactiver dans l'UEFI. Oui, alors faut y avoir accès. Faut y avoir accès, et on est sur un BIOS de 2015, donc l'UEFI, y a rien dedans hein, pour désactiver. Au démarrage du noyau, tu peux dire désactiver les mitigations, mais c'est dans le firmware, c'est dans le microcode, donc en fait, une fois que le microcode il est chargé, dans le cul. Plus sur les serveurs, ben oui, puis encore une fois, c'est sur des trucs récents, donc techniquement, il date de fin 2015, le bazar. Il est complètement rinsax. Donc voilà. Qu'est-ce que. Hop. Je vais fermer ça. Ouais, mais j'ai regagné des trucs, mais pas autant que. Non, Windows, c'est foutu. Hein. Windows, c'est niqué, hein. Tu fais rien. Hein. Windows, tu subis. Voilà. Du coup, hop, on va fermer ça, ça sert plus à rien. Qu'est-ce que... Oui, ben ça, c'était pas prévu au départ, du coup. J'ai rien à archiver là. Hop, voilà. Sur ce, on va revenir là-dessus, voilà. Ça aurait été plus court que le sujet principal aurait été plus court que prévu, puis finalement on aura passé plus de temps sur ce qui viendrait après et sur encore des discussions passionnantes sur du bricolage, sur du matériel comme d'habitude. Encore merci. Alors le replay pour ce week-end, ça va être compliqué. Sauf si là je décide de me coucher tard et que j'arrive à préparer des trucs genre les miniatures. Avant d'aller me coucher pour pouvoir tout envoyer ce week-end. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Vu que je pars demain matin.
Je trouverais bien, mais j'essaierai de mettre le replay sur YouTube. Voilà, normalement, il devrait sortir. Comme d'habitude, les mystères de YouTube qui dit coucou, tu démarres, upload à 5 mégabits seconde, et puis on se retourne, le temps d'aller tousser, d'aller boire un coup, etc. Et on revient, la vidéo, elle a fini d'uploader. Parce qu'entre temps, il est passé à 300 mégabits seconde et qu'il a tout giclé en 2 minutes. Et puis des fois, il va mettre vraiment les 3 heures, les 3 heures et demie d'upload qui sont annoncées parce que il aura décidé de rester à 5 mégabits seconde tout le long. C'est un mystère, je ne sais pas comment il décide, je ne sais pas pourquoi, et c'est un peu, on va dire que c'est un petit peu frustrant, voilà, on va dire comme ça, mais bon, puis sinon, bah en fait, je prends la vidéo, je ferai ça depuis le laptop, là où je serai, et donc ça arrivera un peu plus tard dans le week-end, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je sais plus. Non, bah c'est pareil, de toute façon j'aurais pas le temps de bosser dessus ce week-end, mais j'essaye de bosser un petit peu pour faire évoluer mon habillage de stream, parce que là ça reste quand même minimaliste et ça. On va dire que ça date des débuts, hein, finalement, j'ai quasiment jamais rien changé. Il serait quand même temps d'avoir quelque chose d'un petit peu plus habillé, de mettre quelque chose. Au final, l'arrière-plan, il sert pas à grand chose, puisque on voit pas que c'est du chocolat. On voit pas que c'est ma drogue. Je reste route sur mes streams. Oh ouais, non, mais ce sera pas forcément beaucoup plus habillé que maintenant, hein. Je cherche pas non plus des trucs. Je vais pas aller m'amuser à mettre des overlays type Call of Duty et compagnie, des trucs de taré avec des animations dans tous les sens, des transitions de malade, etc. Mais c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus. Un petit peu plus dessiné quand même. Voilà, peut-être avoir aussi des petites informations qui passent en. Comment dire? Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Qui passe en défilement. Voilà, histoire de rappeler un petit peu que je suis pas joignable que sur Twitch ou que sur Twitter, il y a plusieurs façons de me contacter, mais voilà, ce genre de choses. Le petit logo aussi, le logo, il est jamais affiché dans la vidéo. Voilà, mon petit avatar. Moi, c'est pas un petit Cthulhu dessin animé, hein, c'est juste un. L'image de Laurence Fishburne, honteuse. Enfin, non, j'ai aucune honte à l'utiliser sans autorisation. Mais comme ça n'a jamais été d'une utilisation commerciale en plus. Bon, voilà. Sur ce, bonne fin de soirée, bon week-end, et à plus tard sur les internets, comme on dit. Ciao, ciao. Je te retrouve. Yeah.